c'est le travail, le sport, tu es en salle de sport. Mais pourquoi tu m'appelles comme ça là, comme si c'est quoi le problème? Tu ignores le problème, tu sais comment j'arrive à me comprendre. Non, si, encore? Avant, si, on a fait, non? Depuis quoi? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Non, toi aussi, je suis fatigué tu es chaque fatigué de jour. quoi? Quand tu décides d'aimer une femme, ça veut dire que tu dois bien t'occuper d'elle. Tu dois bien t'occuper d'elle. C'est dans une histoire de quoi que je t'appelle, tu boudes. Depuis que tu as demandé de venir, tu prends tout ton temps avant d'arriver. J'étais en salle, j'étais en salle de sport. Ah. Mais en fait, bon, maintenant tu veux quoi? Je veux que tu t'occupes de moi, que tu nettoies bien, tu enlèves bien toutes les toiles d'araignée là. Quand tu parles comme ça, c'est comme s'il n'y a pas les voisins ici. Là. Non, il n'y a pas les voisins. C'est que ta maison ici. C'est la maison familiale. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Mais tu sais que tu exagères aussi, Cal. J'exagère comment? Imagine que je n'étais pas sportif. C'est la chance que j'ai, chance que moi je suis sportif. Mais seulement aujourd'hui, là, j'espère que ce soir, tu ne vas pas me déranger. Vous les hommes, vous êtes toujours comme ça. Tu trouves une femme qui aime la chose là, tu te plains. Non, non. Si c'est que tu trouvais une femme qui n'aimait pas la chose là, tu allais te plaindre. Chaque jour? Chaque jour, comment? C'est avant-hier qu'on a fait ce qu'on a fait hier. Ok, ok, ce n'est pas un problème. C'est aujourd'hui, je valide. Mais j'espère que demain, là, tu vas me dire, demain, je me repose. Et moi, il n'aime pas aussi l'affaire quand elle vient chez toi, dès qu'elle fait deux jours seulement que tu me chasses là. Moi, il n'aime pas l'affaire là. Il n'aime pas l'affaire là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? On dit que tu dois aller t'occuper de moi. Tu prends bien ton temps. Parce que moi, je te dis que moi, je n'aime pas le vite fait. Hein? Yeah. J'aime quand tu parles doucement. Ah. Tu sais, la chance que j'ai, c'est que je suis sportif, hein? C'est que tu m'aurais tué depuis. N'est-ce pas? Tu m'aurais tué depuis. Attends, et d'abord, toi, tu as un truc là, c'est que depuis un temps là, c'est seulement quatre positions là. Moi, je veux que tu actualises. Tu dois actualiser. Parce que je connais les histoires là que non, quelqu'un fait pour les mêmes choses chaque temps là. Et c'est ça qui me fatigue. Donc quand il était là, comme j'ai vu que tu étais sportif là, c'est pour ça que je t'ai accepté. Parce que j'aime les gens, les personnes qui cognent fort, dur et sûr. Donc c'est ça. Et maintenant, les plaintes que tu as tout le temps là, sincèrement, ça m'arrange. Tu es encore jeune, tu as l'énergie, tu es dynamique. Alors tu dois me montrer que je n'ai pas mal fait le choix. Hein. Parce que c'est quand tu es prêt, tu vas bien pêcher, on le pêche pas à moitié. Je vais arranger ça. Tout de suite, j'arrange tout. Tu n'as pas confiance? J'ai confiance. Non, tu sais, c'est parce que le sport, c'est. Je sais pas. Quelles sont ces blagues-là? Hein? Comment ton cousin t'arrête comme ça? Hein? Et tu poses la question, tu ne réponds pas. C'est qui là-bas? C'est qui? C'est un voisin. Ok. Bonjour, voisin. Voisin. C'est mon mari. Lui, c'est qui? C'est ton cousin. Quoi? Donc, moi, je suis ton cousin. En bon. C'est maintenant moi qui suis ton cousin. Lui, c'est qui? C'est ton oncle? C'est mon mari, non. C'est mon mari, toi aussi. Quand on dit que donc, ça veut dire que tu. On me gronde chez moi. On soulève la voix chez moi. On soulève la voix chez moi. Ça dit quand la sorcellerie décide de marcher à 13h. Monsieur, vous faites quoi avec ma femme chez moi? S'il vous plaît, écoutez. Soyons. Donc tu viens me demander d'écouter chez moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu viens me donner des ordres chez moi. Comme c'est donc, chez moi, je dois vous écouter. Hein? Je dois vous écouter chez moi. Dans ma tête, chez moi. Écoutez, s'il vous plaît, je vous explique le problème. Écoutez un peu. Le problème, c'est que. Comment tu as fait juste comme ça? Tu vas pas dire que tu maries ton homme, là. Toi aussi, toi, tu vas pas faire comme ça, là. Monsieur. Ouais, je t'écoute. Parle. Tu fais quoi chez moi à 10h avec ma femme? Je ne connaissais pas que c'était votre femme. Pour vous dire, elle m'avait jamais dit qu'elle était mariée. Tu m'avais dit que tu étais mariée. Ça fait 6 mois. Oui, qu'elle et moi sommes ensemble. 6 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 30 jours. Fois 6. Donc vous faites déjà les choses là. 30 jours. Fois 6. Bon, en fait, donc vous avez actuellement au moins 6 c'est petit. Vous voulez que ma tête chauffe? Mais c'est seulement 250 fois. Ah bon? Ah bon? Bon, elle voulait dire 2 fois et demi. Gang, ce n'est pas ça. Elle voulait dire 2 fois et demi. Donc, comment tu peux me faire quelque chose comme ça? Tu peux me tuer? Il faut même que tu te maries. Hein? Comment tu fais? C'est pas moi qui fais. Pour vous dire, je suis désolé, je n'ai jamais su qu'elle était mariée. Et en plus,
Elle était ton mari. Tu as vu ce qu'il a en main là. Toi aussi, pourquoi tu fais juste comme ça là? C'est pas moi qui fais, c'est même mon corps qui veut toujours. Toi-même, tu sais que tu n'assumes pas bien. Donc, je n'assume pas bien les gens pour lesquels tu viens avec les hommes chez moi. C'est la première fois qu'il vient, il n'est même pas ancré. Mon problème, c'est quoi s'il n'est pas ancré? Je l'ai vu le tout aussi. Hein? Tu m'as dit que c'est un familial. Ton mari sort du ménage. C'est la maison familiale ici. Il t'a appelé depuis le matin. On t'appelle, tu fais d'abord 2 heures avant d'arriver. Ah bon? Hein? Mais, ah bon? Non, c'est pas ça. Non. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est pas moi, c'est mon corps. Bon, c'est le monde. Parfait, s'il vous plaît, écoutez. Écoute, je suis. Bon, comme moi, elle vous a dit 250 fois là. C'était 2 fois et demie seulement. 2 fois et demie. Uh-huh. Mais j'arrête comme ça là. À partir d'aujourd'hui, là, si vous me voyez encore même. Je ne sais même pas, si vous voyez seulement mon nombre à côté d'elle, utilisez ceci, ce que vous avez à manger là. Parce que moi, non, je ne suis plus là. Bon, ne m'appelle plus jamais parce que je vois que c'était le schéma qui m'organise. Je ne suis plus là. Ah, frère, tu peux partir. Tu peux partir. Attends, j'étais libéré. J'étais libéré. Le problème, c'est que je peux. Non, je vais te dire une vérité. Je ne sais pas ce qui vous anime, vous deux. Ou c'est que quand je suis libre comme ça. Oui, ça ne m'anime pas, ça fait seulement seul. Ok, comme ça ne t'anime pas, ça fait seul. Quand quelqu'un sort de prison comme quand je suis sorti là, j'ai la chance de profiter de ma liberté. Mais ce que vous trouvez le mieux à faire, c'est de me tenter. C'est de me mettre dans la situation où il faut qu'il rentre en prison. La tentation ne sera pas forte de soucis. Mon frère, la vérité, c'est que je sais que tu n'es pas arrivé ici. C'est vrai. Si tu es arrivé, si ça veut dire que quelqu'un t'a conduit, si tu n'as pas de village habité. Et maintenant, quand vous avez une relation de 6 mois, mon petit, moi j'ai fait 6 mois en prison. Hein? Donc il n'y a pas de problème. Il faut partir. Merci beaucoup. D'accord. Bon. Comme. Moi, je le connais même pas. Tu le connais pas? Mm-hmm. D'accord. Comme moi, je ne le connais pas. Hein? Mm-hmm. On va faire simple. Toi, je ne te connais pas. Donc, si tu peux le suivre et m'oublier, on sera bien. Parce que quand vous entendez souvent que meurtre par préméditation, c'est des choses comme ça. Mm-hmm. Pour que toi et moi, on n'ait pas de problème, sors et le suis-le. Je t'aime. Tu m'aimes? Oui. Donc, quand tu dis le parti, tu te les pieds au sol. Et ce n'est pas ce que tu pensais. Tu veux que tu fasses penser ce qu'elle pensait? À penser dont tu le suis. Donc là, c'était seulement pour faire péché. Bon. Moi, je t'aime. Pardon. Tu m'aimes? Mm. Tu veux que je te montre comment moi aussi je t'aime? Hein? Suis-le. Mais est-ce qu'on peut. Quand je parle, suis-le! Mais est-ce que ça va ma faute? Toi-même, tu sais qu'on m'a fait ça au village, non? Tu sais que je suis malade, non? Je l'ai fait vite, moi, mon corps. Eric, je ne demande pas que je ne vais plus jamais te cramper, je ne vais plus faire.